Alors, bienvenue dans mon atelier pour ce vendredi matin. On va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, que j'avais très hâte de vous partager. Alors, bon, ben, c'est bien le fun que vous soyez là. Je suis très contente d'être au rendez-vous. Et puis, je vais juste me présenter. Des fois qu'il y a des gens qui sont nouveaux, on en a tout le temps un petit peu. Alors, mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où vous pouvez acheter tout le matériel que je vais parler aujourd'hui. Puis, dans tous les vidéos, vous pouvez aller aussi sur la plateforme YouTube. Vous avez un pinceau YouTube et vous avez toutes les vidéos qu'on fait comme ça chaque semaine que vous pouvez revoir sur le YouTube et sur la page Facebook. Personnellement, je trouve que c'est plus facile de se retrouver sur la page YouTube pour trouver le sujet que vous cherchez, là. Mais ça, c'est à vous de voir, là, comment vous voulez chercher vos choses. Alors, chez Pinceau, on vend tout le matériel que vous avez besoin, autant des toiles, les acryliques, l'huile, l'aquarelle. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Allez voir ça. Vous pouvez acheter en ligne aussi au www.pin-so. Vous pouvez suivre des cours en ligne sur la plateforme Pinceau Thinkific. Alors, vous pouvez acheter des cours et vous pouvez nous suivre comme ça chaque semaine. Puis on vous présente des nouveaux produits. Alors aujourd'hui, je vous parle des crayons qu'on peut remplir avec de l'encre. Ça fait quand on est allé à Orlando, on a découvert ces crayons-là. Ils sont nouveaux chez la compagnie Dealer-Rooney. Et moi, j'ai beaucoup accroché sur ça parce que j'aimais déjà travailler avec des crayons à encre. Mais là, on peut choisir notre encre. Alors, c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Alors, bon matin, bon matin. C'est bon. Oui, j'ai déjà plein de monde. Bon vendredi, merci. Alors, je vais tourner ma caméra. Vous montrer un peu des exemples de ce vers quoi moi je vais, comment je veux utiliser mes crayons, puis ensuite comment ils fonctionnent. Fait que là, j'ai ressorti des vieilles choses que je vous ai déjà fait. J'ai celle-là, vous pouvez voir là qu'il y a des taches d'encre dans ça, il y a des lignes. Alors, c'est le style qu'on pourrait faire avec les crayons, ben que moi j'aime beaucoup et que je veux essayer d'exploiter. Je vous avais fait aussi ça en démo. Vous voyez, il y a des petits traits de crayon dedans. Et il y a des plaques d'encre qui sont diluées ou d'aquarelle. Alors, c'est un peu vers ça que je veux aller. Ça déroule-tu tout seul? Non, c'est marqué nouveau commentaire. OK, super. Alors, bon matin, Monique. J'espère que là, oui, ça, il se marque tout seul. OK. Allô, Francine. Alors, ça, c'était des exemples un petit peu pour vous dire vers où je vais aller. J'en avais commencé un dans mon cahier. Je ne sais pas si je vais me rendre à vous faire un peu le projet parce que j'ai pas beaucoup de temps ce matin, mais je veux au moins vous montrer comment marchent les crayons. Au pire, allez, on va revenir avec ça. Je pourrais vous en reparler quand j'aurai fait des expériences et on pourra refaire un projet plus concret sur papier. Je veux surtout vous les montrer ce matin, vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, les crayons, ils viennent en paquets comme ça. Les grosseurs qu'on a, vous avez deux crayons par emballage. Ce sont des crayons vides. Alors, vous avez pas de couleur dedans, vous avez pas de couleur à choisir. Vous achetez un paquet et vous avez deux mines de rechange. Alors, il y a déjà deux, pas mines, c'est quoi qu'on dirait? Tantôt, je me disais, faut pas que tu dises mines, parce que c'est pas des mines, c'est des. Voyons comment j'ai marqué ça. Voyons, des embouts, là, en tout cas, le bout du crayon, là, le petit bout là, l'embout de crayon, ça vous en avez deux dedans et vous en avez deux en surplus à côté. Et ensuite de ça, si jamais vos crayons ils bougent ou qu'ils sont maganés, vous les brisez, ben vous pouvez acheter des paquets. Alors vous pouvez acheter des paquets à part. Moi, c'est ça que je trouvais extraordinaire parce que souvent on va les briser, on sait plus trop comment on peut les réparer. Ben, vous pouvez tout simplement vous débarrasser du vieil embout et en acheter un nouveau. Alors, ils vont tous des pointes, c'est ça. Merci beaucoup, une pointe de marqueur. Ben oui, c'est marqué ici là. J'étais un peu trop énervée, je pense là, mais j'avais vraiment, vraiment hâte de vous parler de ça. J'espère que quelques-unes vont partager l'enthousiasme que j'ai pour ce produit-là, mais
En tout cas, je vais vous expliquer ça. Et on a trois grosseurs. Alors, on a le tout petit comme ça qui... Moi, je comparerais ça. Peut-être ce qu'on est habitué de voir souvent, c'est les crayons Sharpie. C'est à peu près la grosseur d'un crayon Sharpie, fin. Alors, puis le crayon, en fait, c'est le même dans les trois grosseurs qu'on a. Le réservoir en tant que tel, c'est vraiment le même. Alors, tous les embouts font... qu'on a chez Pinceau, on en a trois grosseurs. Alors, il y a le petit comme ça. Il y a celui-ci qui ressemble beaucoup à la mine des marqueurs PBO. Alors ça, c'est le 1 mm. Le tout petit, c'est le 0,8 mm. Alors, encore plus fin. Et le dernier que j'ai ici, c'est le 1 à 3 mm. Alors lui, c'est vraiment une mine en biseau. Comme un crayon feutre en biseau. Alors ça, ça fait bien. Ce sont des crayons récipients à rang. Oui, c'est bien ça, c'est ça. Ce sont vraiment des crayons récipients. Nous, on a choisi ces trois grosseurs-là parce qu'on trouvait que les gros, c'est peut-être moins intéressant pour ce que nous, on aime faire. En tout cas, on a commencé avec ceux-là si on voit un intérêt parce qu'il existe d'autres grosseurs, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Puis moi, je trouve que c'est moi que j'utilise le plus, ça a été ces grosseurs-là. Alors, on a choisi de commencer par ceux-là. Alors, vous pouvez acheter différents récipients si vous voulez vraiment plusieurs couleurs. Vous pouvez acheter les crayons réservoirs puis mettre une couleur dedans. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si à un moment donné, vous apercevez qu'exemple, ce jaune-là, je l'utilise vraiment très rarement, je l'aime pas tellement, j'aimerais ça le changer, ben je le dévisse, je remets l'encre dans mon pot, je le lave, je le nettoie comme il faut, je le rince et je peux remettre une autre couleur dedans. Alors, il est jamais perdu, là. Ça, c'est vraiment intéressant pour ça parce que vous pouvez le ré-remplir. Là, je vais pas tout m'amêler dans ce que je vous ai dit. Alors, je vous ai dit les trois grosseurs qu'on avait. Après ça, ça vient en paquet de deux. Vous avez quatre pointes dans chaque paquet. Et vous pouvez les utiliser avec des encres. Alors, c'est sûr que les encres FW, on les avait déjà chez Pinceau. Alors, FW de Dealer Roney. C'est des encres acryliques, alors des encres permanentes. Vous pouvez les utiliser pour peindre, au pinceau. Vous m'avez déjà vu utiliser ça au pinceau. Vous pouvez les utiliser avec vos acryliques que vous avez déjà. Vous pouvez les faire en mix média sans problème. Et on a rentré aussi, en même temps que les crayons, on a rentré la ligne, une autre ligne que Dealer Roney vend qui s'appelle System 3 Acrylic Ink. Alors, c'est de l'encre acrylique. La différence avec la FW, c'est que tous les encres qu'on a dans System 3 sont opaques. Alors ça peut être intéressant quand on veut trouver une peinture fine mais opaque. Alors vous allez voir la différence, je vais vous le montrer parce qu'un matin, c'est ça que j'ai vérifié avec vous montrer vraiment la différence. Puis les pots d'encre, ben ils viennent toujours avec la pipette. Alors c'est très facile de remplir le crayon. Là, lui, je vais le laisser là pour pas me mêler de couvercle. Puis, je pense qu'avec juste les bâtons, vous allez voir la différence entre les deux encres. Alors, si je viens dans lui, puis dans lui, regarde, juste sur le bois, on voit la différence. Je vais l'approcher de ma caméra, de mon iPad. On devrait quand même bien voir. On voit que le bâton dans ma main droite, l'encre est beaucoup plus opaque que celui dans ma main gauche. Fait que vous voyez la différence entre les deux encres. Ça vous donne une idée, là, si vous cherchez quelque chose de très opaque, c'est vraiment système 3 qu'il faut acheter. Si vous aimez mieux aller chercher beaucoup, beaucoup de transparence dans vos crayonnages ou à travailler avec un pinceau, ben ça va être dans FW. Fait que ça vous donne un peu une idée de la différence de ces deux encres-là. J'étais contente de constater que je pouvais vraiment voir une belle grosse différence entre les deux. Alors, je remets ça, puis ça, je vais vous montrer. Là, moi, j'ai le turquoise puis le blanc dans le système 3. On va remplir un crayon avec ça. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ces crayons-là? Ben, vous pouvez aussi mettre le High Flow. C'est pour ça que je les ai mis sur ma table. Alors, les High Flow de Golden.
C'est des acryliques très fluides, très liquides. Donc, on peut les mettre dans les crayons. C'est très facile à utiliser avec ça. Alors, je pourrais mettre aussi le blanc. La seule chose qu'il faut faire un petit peu attention, que j'ai lu ce matin dans leur description des crayons, c'est qu'ils disent faut faire attention si vous utilisez des encres métalliques ou avec des pigments mica dedans, c'est-à-dire les pigments très iridescents, c'est des particules. Alors, c'est plus difficile de les faire passer dans les mines, vos mines vont boucher, vos pointes vont boucher. Alors ça, c'était la restriction que eux disaient, mais c'est sûr que si vous voulez mettre des métalliques, vous pouvez aussi ajouter à votre projet au pinceau. OK, fait qu'on va en remplir une que j'avais, il m'en restait une de vide, je voulais vous montrer. C'est celle-là qui est vide, celle-là j'ai mis de l'eau, je vais vous montrer avec de l'eau qu'est-ce que je peux faire. J'ai sorti aussi ces pinceaux-là parce que pour travailler au pinceau avec les encres, moi j'aime bien les pinceaux style aquarelle qui vont garder beaucoup d'eau. Aussi, toutes les encres, je vous ai déjà parlé de ma plume en bambou comme ça, que j'avais fait des traits de toutes sortes de j'avais fait de l'écriture automatique là avec des traits, ben je pourrais l'utiliser aussi avec les encres opaques, avec les Golden Eye Flow, mes encres FW, puis j'ai aussi le pinceau à l'autre bout. Alors ça, c'est encore disponible chez Pinceau et ces embouts-là, ces pinceaux-là. Alors le crayon, quand on l'ouvre du paquet, il se dévisse à partir d'ici. J'ai le réservoir ici qui a deux billes dedans pour bien mélanger la couleur. C'est ça que je trouve qu'il est le plus à faire attention, parce que là, si vous allez au lavabo pour le remplir puis vous le virez pour mettons le rincer, faut vraiment tenir compte que les billes vont sortir. Alors, pour pas perdre vos billes, prendre en compte ça. Ça veut dire que quand je vais le réutiliser, je vais le brasser comme un crayon régulier et puis il va se réutiliser. Il y a même des chiffres sur le côté pour graduer votre mélange, si vous voulez faire des mélanges ou mettre une partie d'eau ou peu importe. Vous pourriez aussi le remplir, c'est vrai, je l'ai pas mentionné, mais vous pourriez, là j'ai parlé des encres et du high flow, mais vous pourriez décider de le remplir avec de l'aquarelle. Si vous avez de l'aquarelle en tube, vous mettez votre eau dans votre crayon, vous mettez une goutte d'aquarelle en tube, vous l'agitez, vous pourriez faire des traits à l'aquarelle. Alors, c'est ça, je trouve, ça devient encore très intéressant, parce que souvent, à l'aquarelle, on n'a pas des petites lignes, à moins de le faire avec un tout petit crayon, un tout petit pinceau. Mais là, vous allez pouvoir mettre votre même couleur d'aquarelle que vous avez colorer avec dans votre aquarelle et avoir des traits très fins ou à votre goût. Alors, un coup que j'ai ouvert ça, ici, ben j'ai l'embout. Je peux sortir la mine ici. Puis ici, j'ai le petit chose avec le petit ressort. Là. Quand je pèse sur ma mine, c'est ça ici qui vient pomper l'encre pour la faire descendre dans ma pointe. Alors, j'ai tout mes petites pièces qui sont pas trop compliquées, je trouvais, en tout cas. Et si j'ai mes encres qui ont déjà un petit pipette comme ça, ben là, je peux y aller directement. Puis remplir mon crayon avec mon encre. Si j'ai des encres qui n'ont pas d'embout fin, ben à ce moment-là, on va utiliser une petite pipette. Parce que ça existe, je sais qu'il y a des encres où si vous voudriez, mettons, mettre du bras chaud dans vos crayons, vous pourriez les mélanger à part dans un petit contenant, un petit pot, mélanger un petit peu d'eau avec votre bras chaud, venir le chercher avec votre pipette et remplir votre crayon avec ça. Moi, je trouve que ça donne tellement de possibilités, là. Je me disais, mon Dieu, à chaque fois que je veux avoir un trait, je pourrais utiliser ça. Alors, je vais le remplir un petit peu plus. Là, j'étais avec le blanc opaque. Et puis là, ce que je voulais faire, c'était d'essayer un petit mélange avec mon turquoise. Alors, juste d'aller y mettre une petite goutte. Là, j'essaye d'en mettre une mini-goutte. OK. Bon. Attends un peu. OK. Essayer d'en mettre une petite affaire de plus. OK. Puis là, après ça, ben je peux revenir mettre mon embout. Lui, il rentre juste à serre. Là. Il est pas fixe encore. OK. Et ensuite, je remets mon embout noir que je viens visser
Alors, lui, il va fixer l'embout pour mettre la mine et je peux rentrer la mine. Alors, vous voyez que c'est facile pour la mine. Si la mine a bouche, c'est facile de la nettoyer, de la rincer. Je me propose d'essayer ces crayons. Je travaille sur un projet de graffiti. Ah, ben oui, ça pourrait s'utiliser sûrement. Après, je vais vous parler un petit peu de surface aussi. Alors là, après ça, ben je peux le brasser. J'ai mes petites billes dedans. Puis là, je vais avoir un petit turquoise pâle. Fait que vous voyez, je vais avoir un petit turquoise pâle. Là, je pourrais ajuster ma couleur. Si je veux avoir plus de turquoise, j'en remettrai. Et ensuite, ce qui me reste à faire, c'est la même chose qu'on fait habituellement. C'est de pomper la mine jusqu'à temps que mon encre descende dans dans l'embout de mon crayon. Pour que ça imbibe tout l'intérieur et que là, je puisse écrire avec mon crayon. Ça écrit même sur mon... C'est bon, puis c'est très opaque. Alors, je vais vous faire maintenant dans mon cahier un petit peu de démo. L'autre chose que je voulais vous parler aussi avant de... Je voulais vous montrer. Je vais juste dégager un petit peu mon espace. OK. Si vous travaillez avec les mines fines fines comme lui, j'ai mis l'encre de Golden Sepia. Puis ici, je suis sur toile. Alors, j'ai fait tantôt un petit test. Mais je peux crayonner sur toile. Si je viens crayonner beaucoup puis que je travaille rapidement, ben c'est sûr que là, c'est pas séché. Je vais prendre mon petit pinceau comme ça. Ben ça me permet de venir diluer puis de faire un effet crayonné et dilué. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup. Et comme c'est de l'encre acrylique, alors c'est permanent. Et si la mine sèche, on fait quoi pour qu'elle ne sèche pas? Ben, eux, ce qu'ils recommandent, c'est vraiment de les entreposer à plat, comme n'importe quel crayon, pour que l'encre touche toujours à votre mine. Puis moi, à date, là, je vais vous dire, ça fait pas longtemps que je les utilise. C'est sûr, on vient de les avoir, mais ils n'ont pas séché du tout. Ils sont très hermétiques. Et puis, vous avez quand même 4 pointes avec chaque paquet de crayons. Alors, moi, je me dis, au pire, je vais changer ma pointe tout simplement. Je vais repomper, puis tout va être correct. Là, ça va fonctionner. Au moins, j'ai la possibilité de l'avoir. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est vraiment d'enlever votre pointe carrément, la laisser tremper dans l'eau ou même avec un peu d'alcool, la rincer comme faut, le remettre parce que c'est de l'acrylique, alors ça va se nettoyer. Mais c'est sûr qu'à force de l'utiliser, vous allez la briser, elle peut sécher si vous l'oubliez ouvert, etc. Ben vous avez des pointes de rechange, vous avez 4 pointes avec les 2 crayons et vous pouvez vous commander des pointes de rechange. Fait que tout ça, là, c'est vraiment intéressant parce que vous avez les possibilités de faire. Ce qu'on n'a pas souvent avec des marqueurs réguliers ou des crayons remplissables que vous n'avez pas les embouts disponibles. Alors moi, c'est ce que je trouvais vraiment le fun de pouvoir utiliser. Fait que je vais avoir mon beau petit turquoise pâle que j'aime tant. Ici, avec ce turquoise-là, je veux avoir des taches au pinceau. Ben là, je vais venir. Bon, OK. J'ai déjà du turquoise ici sur ma palette. Ben là, je peux mettre du blanc. Mouiller mon pinceau. Me prendre un petit peu. Puis venir chercher quasiment la même couleur. Puis venir en ajouter dans mon modèle. Puis reterminer avec... Moi, je me disais, pour quelqu'un qui aime faire du crayonnage, rajouter beaucoup de petites lignes de design dans dans ses modèles, ça devient super le fun. Je vais vous montrer, comme dans mon livre ici. Je pourrais faire une heure avec ça. Là, l'autre, je vous ai pas montré. L'autre en bout... ben celui-là, ils vont faire des lignes de 1 mm. Ça, je ne l'ai pas chargé, celle-là. Mais si je vous montre celui-là ici, ça, c'est l'embout plus large. Alors, lui, je vais faire un trait vraiment... On dirait qu'il n'est pas tout à fait chargé. Je vais faire un trait plus large, plus plat, comme un feutre qui est vraiment large. Alors, si je veux faire...
si je veux écrire, je vais vous montrer ma feuille. Tantôt, j'ai écrit avec. Ça me fait vraiment comme une mine de calligraphie avec ça. Si je peux vraiment faire du... C'est quelqu'un qui voudrait faire du lettrage, je pourrais le faire avec ça pour me donner une dimension puis remplir des espaces un peu plus grands. Ensuite, si je l'utilise sur la pointe, ben je vais aller chercher des lignes très fines, même si j'ai une mine, une pointe plus large. Alors, ça dépend de l'angle que vous utilisez le crayon. Fait que vous voyez que le même embout, je suis capable de faire vraiment toutes sortes de lignes. Je suis presque aussi fine que le plus fin sur la pointe de cette mine qui est large. Et là, je peux avoir une variété, une modulation dans mes traits qui peuvent devenir super intéressants avec la facilité d'utiliser un crayon. Et puis, ben, comme je vous disais, vous pouvez les nettoyer puis les réutiliser à votre guise pour changer la couleur. L'autre effet que j'ai trouvé très... je vais garder mon papier, ça va aller mieux sur le... Ah oui, et là, ce que je voulais vous dire pour les surfaces, vous pouvez la travailler sur toile comme je viens de faire là. Ça, c'est une petite toile recyclée que j'avais presque pas de texture. J'ai mis un gesso parce que c'est une petite toile cartonnée. Alors, c'est une toile un peu... le tissage est très rigide. Alors, ça, c'est à tenir compte parce que si vous me demandez sur quoi on peut les utiliser, ben ça dépend un peu de l'encre que vous mettez dedans. Si je mets une encre permanente, c'est sûr que sur toile, ça va super bien tenir. Ça va très bien faire comme je viens de faire là. Normalement, là, je ne sais pas si mon encre est assez sèche, mais c'est des encres permanentes, fait que ça ne rebouge pas. Quand je reviens avec de l'eau, je peux superposer les couleurs. C'est des acryliques. Alors, c'est le même principe que vos acryliques, ils vont être fixes. Si vous utilisez de l'aquarelle, ben là, évidemment, que si vous êtes sur toile, ça va réactiver facilement. Sur papier, moins parce que ça va avoir imbibé. Alors, c'est toujours les mêmes principes qui vont s'appliquer selon votre surface. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quand j'utilise la petite mine fine, c'est... regarde, c'est le fun quand j'ai mouillé, quand j'ai passé mon crayon dedans, là, c'est là que je trouve des effets. J'ai des lignes qui vont se faire très, très fines quand je suis sur le pas mouillé. Puis quand je suis sur le mouillé, je vais avoir une belle diffusion. Ça fait super beau. Fait que ça, je retrouve vraiment les effets que moi, je travaillais avec les crayons... Les crayons peinture, mais là j'ai du choix, puis je peux revenir avec mes couleurs. Alors pour la toile, moi je ferais, si vous utilisez une toile régulière, je ferais un gesso, un dans un sens, un dans l'autre, pour lisser un petit peu le grain de la toile pour que le crayon fonctionne bien, c'est-à-dire que j'accroche pas trop dans la texture. Alors évidemment que si je travaille ces crayons-là sur quelque chose qui est très texturé, c'est peut-être moins approprié là. Il faut faire attention à ça. Ensuite, si vous utilisez des toiles aquarellables comme celle-ci, la toile aquarellable, sa particularité, c'est qu'elle est très, très... le grain de la toile est très fin. Fait que vous voyez, j'entends bien moins de bruit. Ça me fait une ligne beaucoup plus franche parce que la toile est très, très... fine comme tissage. Alors, j'ai pas besoin de la préparer. Alors ça, si vous aimez travailler directement sur toile, ce serait bien d'acheter une toile aquarellable pour ces crayons-là, si vous utilisez les petites mines fines. Puis ensuite, si vous utilisez sur le papier, eh bien là, c'est sûr que vous avez pas besoin de rien préparer. Vous allez y aller, ça va travailler directement comme habituellement. Là, sur les papiers, ça s'utilise super bien. OK, pour ça, et ce que je veux vous montrer, je vais terminer avec ça pour aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça tellement l'idée, le fun, parce que plusieurs d'entre vous ont les blocs Intense. J'en ai souvent parlé, puis j'aime bien ce produit-là. Ma table est complètement tout mélangée. Puis là, il faut que je retrouve mon crayon qui a juste de l'eau. Ça sera pas long. OK, il est ici. Alors là, j'ai pris un crayon avec l'embout carré, OK? Et j'ai mis de l'eau dedans. Fait que là, il y a juste de l'eau. Je le pompe et puis ce qui sort, c'est de l'eau. OK? Bon, qu'est-ce que ça me donne ça? Oups, là, j'ai mis du bloc. OK. OK, bon. Et là, je peux prendre mes blocs. Si j'ai le goût de travailler avec mes blocs, je pourrais... je vais le prendre dans le rose. Maintenant, on va bien voir.
Et puis là, je pourrais venir crayonner directement ici sur ma surface avec ma craie. Je fais vraiment n'importe quoi, là. Je suis pas très planifiée. Et bon, j'ai mis mon crayon, ma craie, mon bloc d'Intense. Et là, je peux prendre mon crayon qui a de l'eau dedans et venir diluer ça directement sur ma surface pour étendre ma couleur. Et je vais me ramasser avec un trait comme de crayon feutre. Parce que je vais diluer mon encre avec l'eau. Puis là, je peux l'étirer, je peux aller plus loin. Elle va continuer à se travailler avec l'eau qui est dans mon, qui sort de mon crayon. L'autre option que j'ai, c'est de prendre ma craie, de crayonner sur ma craie pour y mettre de l'eau pour le diluer. Et de venir, puis de crayonner avec mon crayon ensuite que l'eau sort. Et ça aussi, je trouvais que ça pouvait être le fun pour aller ajouter des effets dans mon dans mes projets. Et de crayonner en mélangeant toujours tous mes médiums, puis de revenir à du mix média vraiment complet. Ajouter des effets par-dessus des dessins, des aquarelles, etc. Alors ça vous donne plein d'idées à faire avec ces crayons-là, plein de choses que vous pouvez créer. Là, j'aurais pu aussi mélanger les craies, ajouter d'autres couleurs à l'intérieur de ça, puis m'amuser à créer ça. Ici, vous voyez, j'avais commencé à travailler, j'avais essayé mon encre de système 3, puis vous voyez comment c'est opaque. Et si je veux lui donner de la transparence, ben j'ai simplement ajouté beaucoup d'eau pour la diluer. Et là, je pourrais prendre mes crayons que je viens remplir, puis rajouter des doodles dans ça, venir faire des petits dessins, des crayonnages ou des motifs si vous aimez travailler vraiment en répétition de motifs, puis avoir vos couleurs que vous aimez. Alors, j'espère que les crayons vous ont plu. J'espère que vous allez aimer travailler avec ça. C'est plein de possibilités. C'est facile. Vous pouvez les réutiliser. Vous pouvez changer les mines. Vous pouvez tout vous procurer. Dans les trois grosseurs, on les a chez Pinceau. On a toutes les encres dans système 3, les FW aussi. Si vous avez déjà des iFlow, vous pouvez les mettre votre iFlow dans vos crayons. Alors, amusez-vous, continuez à créer. Et puis, je vais vous faire la liste aussi. Vous allez avoir la liste du matériel si ça vous mêle un petit peu. Mais si vous faites marqueur peinture sur marqueur Dealer Roney sur le site de Pinceau, vous allez trouver là, tout ça, là, les petits produits. Les trois mines qu'on a de rechange font dans toutes les grosseurs de crayons. Si je regarde ici sur la mine, là, sur le paquet de mines, j'ai pour le numéro 101, 103, 104. Alors, vous pouvez commander une grosseur de crayon puis mettre les mines que vous voulez dedans. Ça fonctionne parce que c'est tout le même format. Alors, je vais juste vous retourner ça, vous dire un beau bonjour. Et puis, on va continuer à créer. Alors, j'espère que ça vous fait du bien de créer. Je vais juste vous mentionner qu'on a nos portes ouvertes de Noël le 23 octobre. Alors, on va vous présenter des nouveaux modèles. On est en train de travailler là-dessus. Moi, je suis en train de finir celui de l'année passée parce que je voulais le remettre en exposition. Alors, on va tout vous remontrer ça. On va vous remontrer un petit peu les projets des années passées parce que souvent, les gens les ont pas vus. Alors, vous allez pouvoir voir tout ça. Puis, la journée même, on va vous présenter les nouveaux modèles. Alors, le 23 octobre. Puis d'ici là, ben, on va se revoir. Je vais vous refaire une autre démo la semaine prochaine. Soit que je continue avec les crayons, mais je vais peut-être plutôt y revenir plus tard, mais je vais vous reparler de d'autres petites affaires qu'on a rentrées qui sont super le fun. Alors, merci beaucoup. Bonne journée et continuez à créer. Ça fait du bien. Au revoir!